Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. C'est Pierre qui vous retrouve pour un déballage de colis Passion 132, puisque il a fallu que je refasse encore une petite commande suite à ce qui m'est arrivé avec la dernière maquette en cours de réalisation. Ceux qui auront vu la vidéo précédente sauront de quoi je parle. Le petit check-up. Nous avons les petits coussins gonflables de protection. Et alors voilà, j'ai été convaincu par les peintures Revel et je me suis dit tiens, je vais tout simplement m'amuser à faire la corvette avec des couleurs Revel pour voir si ça va donner au final. Donc j'ai pris du blanc, j'ai pris du métallique parce que je suis très curieux de voir à quoi ressemble le métallique acrylique de chez Revel. J'ai pris de l'aluminium, ça c'est des peintures en général, ça passe ou ça casse, donc je serais très curieux aussi de voir l'effet aluminium de cette peinture. J'ai pris un rouge feu et j'ai pris un rouge gloss. Voilà, ça c'est pour l'intérieur de la voiture. Ensuite j'ai racheté chez Tamiya une couleur que j'utilise souvent dans mes maquettes, dans les détails. Le X11 Chrome Silver de Tamiya. J'ai ensuite acheté de la pâte double composant de chez AK Interactive pour faire du modelage, ce qui va me permettre de récupérer la Chevrolet Corvette. Je n'ai jamais pratiqué, mais ça va être très sympa parce que ça va me permettre de reprendre cette boîte de figurines, vous voyez, que je n'ai jamais terminée parce qu'il y avait des problèmes de jonction au moment de l'assemblage et que avec le mastic de finition qui se trouve ici, c'est pas suffisant pour avoir un résultat correct, donc je les avais mis de côté et normalement avec ça je pense que ça va aller. Vous voyez, c'est vraiment pour les figurines en fait que ça va être nickel. Et ça va aussi me permettre de reprendre une figurine que je n'ai jamais vraiment finie. Celle que j'avais eue avec la Cadillac coupée de ville de chez Asegawa. Il y avait plein d'endroits et il fallait reprendre un petit peu. Donc je vais continuer à regarder sur YouTube des gens qui utilisent ça pour me faire une idée. Et puis je vais tester. Apparemment ça va super bien, ça permet de sculpter. Ça peut même permettre de sculpter soi-même des petits détails pour agrémenter une maquette. Donc c'est quand même un univers très intéressant. J'ai vu ce genre de trucs sur des maquettes, sur des chaînes YouTube de mecs qui font du Warhammer et tout ça. Donc voilà, pour sculpter ça, je me suis dit on va voir si c'est sympa ou pas. On peut le faire à la main et tout. Bon j'ai quand même chopé ça chez AK Interactive. Voilà, ce sont du silicone brush. Voilà. C'est du silicone et apparemment ça permet de sculpter vraiment en finesse et en détail ce genre de truc. Donc tout ça je vais découvrir et voir de quoi il en retourne. Vous voyez, il resculpte une cape. Par exemple, les cheveux de la figurine que je viens de vous montrer, il faudrait que je fasse ce genre de choses. Voilà. Et puis comme des figurines, j'ai envie d'en faire pour les dioramas futurs. C'est très intéressant de se lancer là-dedans et aussi pour rattraper même des maquettes de chez MPC ou des choses comme ça où il y a plein de choses. Je me dis parfois pour vraiment augmenter le niveau, ça peut être intéressant. Et ensuite j'ai acheté un truc que je voulais depuis très longtemps et à chaque fois je repoussais, je sais pas pourquoi. J'ai pris ça chez Modelcraft. Voilà, de quoi sculpter, regraver, ce qui est très important pour les modèles MPC, etc., etc. J'aurais dû acheter ça plus tôt, mais bon, voilà, maintenant je viens de le faire. J'oublie à chaque fois dans mes commandes. Vous voyez de quoi mélanger aussi. L'outil qui permet de mélanger, et en plus, parce que moi je mélangeais avec des trucs en bois, mais bon, ça consomme. Là, on mélange la peinture avec ça, on passe un coup de chiffon et c'est propre. Donc voilà pour la petite vidéo déballage colis. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis avec la chaleur. Ici, en ce moment, il y a 35 degrés. À la prochaine. Ciao, ciao.